Eh bien, yo, c'est tout le monde, c'est le Dragon 09. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Clash Royale pour un pack opening, mais vraiment magnifique. J'étais pas là pour le moment où j'ai le coffre épique. En plus, j'avais pas l'icône pour faire la vidéo tout de suite. Du coup, voilà. Mais sinon, voilà, je voulais préparer ce pack opening. J'espère vraiment qu'il va vous plaire. Du coup, aussi, la dernière fois, on avait eu le bûcheron comme légendaire. Voilà, c'est ça mon deck bûcheron. Il est pas top, hein. J'ai fait quelques combats, j'en ai gagné certains, d'autres non. Mais je vais essayer de m'en refaire un autre. Du coup, ben, on va tester aussi le nouveau coffre géant qui a maintenant beaucoup plus de rares et beaucoup moins d'or. Bon, je vous avoue que l'or, normalement, j'avais pris un coffre géant pour l'or. Et ben, quand j'ai vu que il y avait si peu d'or, maintenant j'étais un peu déçu. Sinon, on va s'attaquer au pack opening qui va être vraiment énorme. Du coup, on espère avoir une légendaire. Et perso, la légendaire que j'aimerais avoir, je sais que, ouais, quand même, j'y crois un peu trop, là, mais ça serait la sorcière de nuit. Perso, sorcière de nuit, ça serait celle que je voudrais. Parce qu'elle m'aiderait tellement dans certaines games, surtout avec les légendaires que j'ai, je trouve qu'elle irait très bien. Du coup, bah, je vous propose qu'on commence directement le pack opening. Et du coup, c'est parti. Allez, on commence pour les tick-off gratuits. Ok. Une tour à bombe. 10 gobelins. Ok. Alors, 80 or. Une roquette. 10 barbares d'élite. Ok. Allez, on s'attaque au coffre en or. 194, pas ouf. 6 canons, ok. 7 chevaliers, bien. 19 bombeurs, nul. Et 3 TDE, c'est bon. Allez, on commence à rentrer dans les coffres un peu plus lourds. Du coup, coffre à couronne. Excusez-moi. 534 or, du coup, on atteint les 2000. 3 gemmes, on atteint 24 gemmes. Une fournaise. 28 Tesla, du coup on n'aura pas d'épique. 35 gobelins lancés. 6 Valkyries. Ouf. Fournaise Valkyrie c'est bien, mais les communes sont vraiment pourries. Hein. Bon, du coup je propose qu'on gemme le coffre géant. Le nouveau coffre géant. Du coup, c'est parti. Alors oui, aussi maintenant il y a 4 cartes. Au début je me suis dit, purée, on va avoir une légendaire à coup sûr. Et non. Du coup, voilà, maintenant il y a 4 cartes. Du coup, 740 heures. Vraiment, c'est pas ouf. Enfin, avant, on en chopait 2000, 1600, des trucs comme ça. C'était super bien. Allez. 34 gobelins. 61 esprits de feu. Ah, si on aurait voulu une légendaire, alors il fallait plus de communes. 101 canons, pourri. 49 golems de glace, je joue pas golem de glace, mais je sais qu'il a du potentiel. Faut vraiment que je vois. Ah, il en manque plus que 6. Hein. Par contre, esprit de feu, c'est bien. Et golem de glace, à voir. Allez, je propose le coffre magique. Là, on mise tout dessus pour une légendaire. Hein. C'est le seul coffre qui peut nous give une légendaire. Sur le coffre épique, il nous donnera que des épiques. Et j'espère des bonnes épiques. Qu'est-ce qu'on espère dans le coffre magique? Attendez, déjà, on regarde l'or. Ok, 1050 or, c'est pas mal. On espère quoi comme commune? De l'ordre. Ouais, de l'ordre de gargouille, des flèches, du zap. En rare, on espère beaucoup de méga. Et en épique, du ballon. Ouais, du ballon. Du ballon ou du bébé dragon? Ballon, bébé dragon, ouais, les principaux et surtout le ballon. Allez, go. 3 gangs de gobelins. Ah oui, c'est vrai qu'en commune, gang de gobelins, c'est pas mal. 6 esprits de glace, allez, on commence mal là par contre. 11 Tesla, ouais, là il faudrait. Ouais, non, je pense pas qu'on aura une légendaire. Là il faudrait masse commune. Ouais, non, on n'a pas du tout masse commune. Ah, du coup, pas de légendaire pour ce pack opening. 43 géants royal, ouais, bah il a été tellement nerf qu'il est injouable maintenant. 21 roquettes, bon, je dis pas non, mais c'est pas ce que je jouais. Moi je jouais la méga. Et en épique de l'armée squelette, ben, je la donnerai. Super.
T'es nul. Ouais, maintenant, on mise tous dans le coffre épique du bébé dragon, du ballon. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ballon, bébé dragon. Ouais, du PK, pas du gel par contre. Pas du gel. Ouais, bon, ça c'est encore un deck full légende. Ouais, ballon. Ballon, bébé dragon, PK, golem. Ouais, on va dire que c'est les principaux. Ok, on chope deux bébés dragons, ça commence bien. Deux ballons, super. Voyons, on est en train de choper ce qu'on veut. Du clonage, je dis pas non parce que je joue dans mon deck Molos, alors plutôt content. On va essayer de l'avoir niveau 5, ça va être chaud, mais on va essayer. Et du Skull Géant. Voilà. Bon, bah Skull Géant c'est nul, mais le reste c'est pas mal. C'est plutôt pas mal le reste. Hein. Bon, c'est pas. Je m'y attendais pas vraiment à ce. À que ce soit comme ça. Du coup, on passe au géant niveau 7. C'est super. Du coup, ouais. Bon, je pense que j'aurais pu avoir mieux quand même. Bon, bah, du coup, voilà. C'est une petite vidéo simple. Je sais pas si je continue. Perso, je sais pas. Mais je pense pas que je vais continuer. Si jamais je ferai des combats, j'en ferai plus tard. Du coup, les gars, je vous dis à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!